Lorsqu'on réside dans une grande ville, la densité du logement favorise l'étalement en hauteur, et le pourcentage d'espace vert est souvent fort restreint, à plus forte raison, si cette ville est située dans une île. Pourtant, la proximité du fleuve permet de trouver des espaces verts, des milieux humides, sinon des forêts, à une distance fort raisonnable, du centre de ville urbain. C'est notamment le cas du petit parc de la Frayère, à Boucherville, où nous nous sommes rendus afin de constater l'étendue et la diversité de la faune, dans ce coin de verdure avoisinant la grande métropole québécoise. La Frayère de la rivière au Pin, surnommée la pouponnière du fleuve, bénéficie d'un couvert végétal très varié. Alors qu'en 2010, le gouvernement du Québec a annoncé l'acquisition du refuge faunique Marguerite Duhouville, le parc de la Frayère demeure tout autant représentatif de l'environnement écologique de la Montérégie, région fréquentée par plusieurs espèces en situation précaire, et reconnue pour sa riche biodiversité. Le parc se compose de deux étendues d'eau douce. D'une part, la rivière Opin se déverse dans un petit lac, où fraient les poissons. Une passe migratoire leur permet ensuite de filer vers le fleuve, via un petit ruisseau. Ensuite, une seconde étendue d'eau, appelée le lac des Voiles, contient un marais, un quai, ainsi qu'une cache d'observation de la faune. Le parc fait le lien entre la rivière au Pin et le fleuve Saint-Laurent. Ceci donne lieu à une petite bande de terre riveraine, où l'on retrouve les grands échassiers, les canards, les bernaches, les martins pêcheurs, les sternes arctiques, et les chevaliers grivelés. Au printemps, la Frayère de la rivière au Pin constitue un endroit idéal pour le frai de plusieurs espèces de poissons. La plaine, inondée de part et d'autre de la rivière, attire également de nombreux oiseaux et est propice à la reproduction des canards. Parmi leurs rangs, l'on dénombre la grande aigrette,
le grand héron, le bureau gris, le petit héron vert, et même le petit blond giot, lequel est un peu rare au Québec, et inscrit parmi les espèces menacées d'extinction. Grand héron, bien sûr, ne passe pas inaperçu. Il n'est pas rare qu'un grand héron tente de déloger un bureau qui s'aventurerait trop près de sa zone de prospection. Peut-être le saviez-vous, mais, selon le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, le nombre moyen de poissons ingérés par un héron adulte, par jour, lors de l'incubation, est entre 90 et 180 poissons. Le bureau gris chasse à l'affût, à la manière du grand héron, dans des eaux peu profondes. Les deux espèces évitent la compétition de façon ingénieuse. Au crépuscule, le grand héron quitte le marais pour aller dormir. Le bureau, qui est nocturne, prend alors la relève. Il existe toutefois des exceptions, et c'est exactement ce qui s'est produit lors de ce tournage. À la Fraière, on y trouve également plusieurs autres espèces, dont la galinule d'Amérique au bec rouge vif et jaune, de même que la petite grèbe à bec bigarré, un oiseau timide et solitaire, dont le nid est flottant. Les différentes familles de canards d'Amérique ne sont pas en reste. Et lorsque la chance nous sourit, la présence de l'aigrette est toujours spectaculaire. L'hirondelle bicolore préfère les habitats ouverts, comme les plans d'eau et les champs agricoles. Elle niche dans des trous que d'autres oiseaux ont déjà formés dans des arbres, sinon,
elle s'accommode bien de nichoirs artificiels, tels que nos fameuses cabanes à oiseaux. Cet oisillon est probablement âgé d'environ 20 jours, et prêt à s'envoler. Le héron vert est normalement crépusculaire ou nocturne. Mais on le verra se nourrir ou pêcher en journée, comme c'est le cas aujourd'hui, lorsque la nourriture est rare, ou bien lorsqu'on est en période de nourrissage des jeunes. Et on le voit moins souvent que d'autres ardéidés, marcher dans l'eau à la recherche de proies. Le héron vert est l'un des rares oiseaux à utiliser des outils. Il laisse généralement tomber des appâts sur la surface de l'eau, et attrape les petits poissons à tirer. Il utilise une variété d'appâts et de leurres, notamment des croûtes de pin, des insectes, des vers de terre, des brindilles ou des plumes. Au sur pattes, le grand héron, ou héron cendré, est un échassier qui aime se percher seul, ou en groupe, dans des arbres, ou sur des structures. Qu'à cela n'y tienne, à défaut d'arbres, une bonne vieille cabane d'oiseaux fera tout aussi bien l'affaire. Le héron fait ainsi pour mieux surveiller les lieux et pour s'adonner à l'interminable séance de lissage du plumage. Peut-être le fait-il aussi, simplement pour digérer, car un héron adulte peut ingérer entre 90 et 190 poissons par jour. Parlant de poissons, c'est également la nourriture première de la grande aigrette, laquelle, durant les années 90, nichait rarement au Québec. Toutefois, elle est aujourd'hui bien présente dans plusieurs milieux du territoire québécois. Celle-ci a choisi de déambuler, lentement, dans l'eau de la Fruyère, le regard à l'affût d'une victime à capturer. Merci de l'intérêt que vous portez au petit écosystème de la Fruyère de Boucherville.